Bonjour, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo, tout simplement pour vous tenir un petit peu informé de ma situation personnelle. Dans la dernière vidéo que j'ai fait, je vous l'avais dit que ça risquait d'être compliqué parce que j'allais peut-être avoir du taf, etc. Enfin, même sur Facebook, hein, je vous l'ai dit, si vous allez voir ma page Facebook, hein, si tant est que vous alliez la voir. Eh bien, c'est arrivé, voilà. J'ai donc une activité professionnelle, j'ai un travail maintenant. Pour vous expliquer juste, on va dire, grosso merdo, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai quand même signé un contrat avec une clause de confidentialité, donc... juste au niveau de, ma quantité de travail. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis en formation. Vous savez, quand vous débutez dans une nouvelle entreprise, le plus souvent, ils vous proposent une formation pour vous remettre dans le droit chemin, pour vous apprendre le travail en fait. Et donc j'ai déjà fait une semaine de formation là au moment où je tourne cette vidéo et j'ai encore une semaine à faire et ensuite je démarre le travail vraiment. Donc pour l'instant je fais, on va dire, des horaires de bureau. Je finis mes journées dans l'après-midi, en fin d'après-midi à 16h, voilà, bon. Mais j'habite à 1 heure de ce travail là ici, de là jusqu'à mon travail il y a 1 heure. Donc 1 heure aller, 1 heure retour, ça fait 2 heures par jour de trajet. Donc je pars tôt au matin et quand je reviens au soir, j'ai pas forcément envie de vous faire une vidéo parce que je suis claqué. On va quand même rester modeste, je fais pas non plus grand chose de mes journées, mais c'est surtout la route qui est fatigante. Et plus tard, après que j'aurai fini ma formation, je vais avoir des horaires décalés. Je pourrais très bien démarrer tôt au matin comme finir très tard le soir. Dans la nuit même. Et donc voilà, j'essaierai à ce moment-là quand même de trouver du temps pour vous faire des vidéos, mais encore une fois, ça va être assez compliqué. Mais disons que je m'arrangerai tout le temps pour essayer d'en faire. Alors une autre chose aussi, justement par rapport au trajet que je fais, pour l'instant j'habite à 1 heure de route de mon travail. J'envisage de partir d'ici, de déménager et de trouver quelque chose. Je suis sur quelque chose qui serait à 1 quart d'heure de là où je bosse, ça serait largement mieux. Donc un déménagement en perspective, hein, je vous laisse imaginer le bordel, les papiers surtout à signer. Et le souci c'est que je laisserai potentiellement tout mon matos, appareil photo, ordinateur, etc. ici. Les montages vidéo, je les faisais avec ma tour qui est à l'étage du dessous. Bah la tour, je peux pas l'embarquer, donc je vais me retrouver sans ordinateur fixe. SOF, pour ceux qui voudraient. C'est comme SDF, mais pour un ordinateur en fait. Je peux pas embarquer le MacBook Pro de Seb, parce qu'il en a besoin. Voilà, c'est le sien, c'est à lui, il s'en sert. J'ai mon vieux MacBook blanc, là c'est pas possible, il a pas assez de mémoire vidéo, et c'est tout en fait. Il a pas assez de mémoire vidéo pour faire du montage. J'avais un PC portable sous Windows 10, un Lenovo, là, bah c'est pareil, il a pas assez de mémoire pour faire du montage. Donc il va falloir que je me rachète un PC portable gamer pour avoir des performances. Portable parce que... transporter c'est mieux, vous voyez. Donc ça, vous voyez, et puis ensuite peut-être que je devrais aussi me racheter une caméra, et puis un micro, tout ça, tout ce que j'avais là, faudra que je rachète. Donc des sous. Donc vous voyez que c'est compliqué, voilà. Donc il risque de ne plus y avoir, après cette vidéo là, il risque de plus y avoir de vidéos pendant un bon petit moment. Parce que je vais être occupé personnellement à régulariser ma situation. Surtout qu'en plus il va falloir que je me trouve une nouvelle voiture. Je vais laisser la carrette mobile actuelle. La Citroën Saxo là, que je vous avais présentée, bah, je la laisse à Seb, voilà, je la laisse ici, je vais devoir la laisser ici et trouver une nouvelle voiture pour là-bas, simplement pour garantir ma mobilité. Voilà, donc ça c'est la situation dans laquelle je suis actuellement, donc c'est une situation qui aurait de toute façon fini par arriver. Si elle n'était pas arrivée maintenant, elle aurait fini par arriver plus tard. Donc, ma foi, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner à la page Facebook, si c'est pas fait, en tout cas d'aller liker et de partager ça un maximum tout partout. De vous abonner à la chaîne YouTube en appuyant sur la petite cloche pour rater aucun fait et geste. Et sur ce, je vous laisse, je vais travailler, voilà, je vais gagner ma vie. Si vous avez terminé vos études, faites de même, ne baissez pas les bras, c'est les pires trucs parce qu'après, pour continuer à travailler, vous allez avoir la flemme. Voilà, je fais pas plus long, et bien on se retrouve pour la prochaine vidéo, et d'ici là, au revoir.